On va aborder tout ce qui est plutôt orienté web, donc plutôt euh, du, de, du proxy pour euh, des sites web, de la haute disponibilité, forte performance. Euh, on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas aborder toutes les parties bases de données, il y a d'autres euh, conférences notamment qui, qui en parlent. On ne va pas non plus parler de la partie cache applicatif. Mais on va aborder euh, évidemment le load balancing, euh, les notions de reverse proxy et de cache HTTP. Donc rapidement, euh, on va réexpliquer le principe d'un proxy. Donc le principe de base, euh, c'est donc on est dans une architecture client serveur et le proxy va être entre les deux en intermédiaire où le client au lieu de demander directement au serveur va au serveur final va demander à un proxy qui lui va faire la demande comme si c'était un client recevoir la demande et la transmettre au client initial on va dire on voit dans ce schéma là qu'il est notamment en capacité de Manipuler le trafic, on va dire, manipuler. Bon, voilà, ça peut être dans le bon sens du terme ou le mauvais sens. <laughs> voilà. Dans les types, euh, différents types de proxy, il y a un proxy qui est euh, un petit peu classique que on retrouve depuis euh, longtemps. Je vais dire, euh, on est en 2022, une bonne enfin, 25 ans. <laughs> y a un proxy d'entreprise ou d'université et qui est un proxy sortant, c'est-à-dire qui va par exemple être présent euh, ici dans l'école, et toutes les machines qui vont vouloir se connecter à des sites Internet vont passer par ce proxy qui lui va faire euh, la demande et qui va centraliser un petit peu toutes, euh, toutes les demandes. Un autre type qui est un petit peu à la mode et qui, enfin à la mode depuis une quinzaine d'années, on va dire, est en fait de reprendre ce concept de proxy et non plus de le faire pour l'ensemble des sites internet, mais de le faire, on va dire, pour un ou quelques sites internet en particulier. C'est le principe de reverse proxy où on va le mettre en entrée d'une d'une infra pour euh, optimiser le trafic et c'est un petit peu ce schéma là qu'on va détailler. Je te laisse faire la plongée dans les dans les headers HTTP. Ouais, donc euh, effectivement on parle, on va parler principalement d'HTTP aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres d'autres éléments, un petit peu de TCP etc. Mais euh, l'HTTP c'est un protocole euh, donc de requête réponse. Et donc, dans, euh, un petit peu comme dans le courrier classique, dans la poste, on envoie son, son courrier. Donc, il y a le, le courrier lui-même, et puis il y a l'enveloppe avec un certain nombre de métadonnées lorsqu'on envoie, lorsqu'on reçoit. Et donc, ces métadonnées, elles vont nous servir à avoir des informations, à donner des informations sur soi, à qui on veut parler, et puis le serveur va nous répondre. Donc là, je vous montre un ensemble, une requête classique sur un sur un site tout à fait tout à fait standard, et on va voir en haut euh, les requêtes. Euh, les, les, les entêtes pardon, de, de la requête et plus bas les entêtes de la réponse. Euh, les entêtes sont, le HTTP étant une, étant une norme, un standard, il hein, euh, euh, y a pas mal de choses qui sont codifiées. Donc tous les entêtes qui sont... En rouge, ici, je, je mets, car je me mets de l'autre côté, on verra mieux, euh, sont, des, sont des, des entêtes qui sont euh, normées. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec, on doit respecter une manière de les, de les faire. Mais on peut aussi étendre ça pour ajouter des, des choses additionnelles, comme on a le droit de mettre des petits messages codés sur son enveloppe. Là, on peut utiliser des, des, des entêtes tout à fait euh, personnalisées. Ils ont juste besoin d'être préfixés d'un x- et euh, on met ce qu'on veut dedans. Après, c'est une convention euh, au niveau du. Euh, des applications et des clients, etc. Voilà. Et euh, donc, euh, on a les, les headers classiques. Dans la requête, on a le host, le user agent qui dit qui on est, à qui on parle, etc. Bon, ben, voilà. Je pense qu que hein. ce qu'on qu peut dire quand même, c'est sur euh, la première partie, c'est des entêtes HTTP du client, donc du navigateur. Là, dans ce cas-là, d'ailleurs, souvent avec le user agent, on voit quel est le navigateur. Là, c'est Curl en ligne de commande, mais ça peut être euh, Firefox et d'autres euh, clients HTTP. Et en dessous, c'est uniquement les entêtes, mais cette fois-ci renvoyées par, Renvoyé par le serveur. Le serveur, on va dire, euh, au sens général. Voilà, et, et le serveur va du coup donner tout un tas d'informations, de méta-informations sur, sur sa réponse. Voilà. Et avec ça, on va maintenant parler euh, d'équilibrage de charge, load balancing en anglais, un terme qu'on qu entend beaucoup, et de tolérance de panne. Et pour vous parler de ce concept-là, on va s'appuyer sur un logiciel que nous on connaît bien, qui n'est pas le seul à faire ça. Il y en a des tas d'autres, mais celui-là est un logiciel libre. On le connaît depuis longtemps, on le maîtrise bien. Il s'agit de HAProxy. HA signifiant High Availability. Son rôle, c'est de permettre d'avoir de la haute dispo à des infrastructures. C'est un logiciel qui a été créé en 2001 par un, un français, Willy Taro, qui d'ailleurs, euh, quelques temps après avoir créé HAProxy, est même devenu un, un contributeur euh, important du kernel Linux. C'est un outil qui est packagé, euh, enfin, dont des packages sont disponibles pour la plupart des distributions, en tout cas les sources sont disponibles, on peut le compiler comme on, comme on souhaite. Et c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il est extrêmement léger en ressources par lui-même. Il est très efficient, très économe. Et il permet de manipuler des grandes quantités de trafic sur des machines très, très raisonnables. Voilà. Et donc, c'est très pratique à utiliser. Pour illustrer qu'il est très léger, bah, par exemple, là, il y a deux semaines, euh, il y avait une conférence à Chaproxy. Et ils faisaient tourner à Chaproxy sur. Euh, une petite carte qui avait, je crois, 16 mégadrames sur une board à 16 mégadrames, un truc qui fait 3,5 cm et demi de large de carré, euh, avec juste un port Ethernet et, euh, et voilà. Et c'était très extrêmement efficace. Voilà. Quand on dit léger, tout est relatif, mais là, c'est vraiment très léger euh, par rapport à. Mmh. Et ce logiciel a une excellente documentation en ligne euh, avec euh, tout, tous ces mots-clés, tout est tout et, et, et correctement documenté, et y compris toutes les versions, parce qu'on peut utiliser des versions avec un support long terme, etc. Et il y a aussi un excellent blog euh, avec des cas euh, très euh, simples qui sont traités, aussi des cas beaucoup plus compliqués, etc. Voilà, donc on aime énormément HAProxy et on va s'appuyer là-dessus, mais tout ce qu'on va dire, bah, vous allez pouvoir le retrouver dans d'autres logiciels. On connaît un peu Trafic, par exemple, c'est les mêmes concepts. Euh, voilà. Là, je vous montre un schéma extrêmement simplifié de ce que va faire un load balanceur. Et on a deux concepts très importants que je vais détailler par la suite. C'est la notion de front-end et la notion de back-end. On voit là qu'on a nos clients qui viennent se connecter à notre proxy sur les front-ends. Les front-ends vont pouvoir décider de comment aiguiller en interne la requête à faire pour la transmettre à des back-ends. Et le rôle de ces backends ensuite, c'est d'être capable de faire le lien avec les, le ou les serveurs finaux et avec les différentes stratégies de load balancing ou tolérance de panne qui peut y avoir derrière. Donc le front end, on a dit, c'est un peu le guichet d'entrée. Euh, on peut en avoir un dans un proxy, on, dans un proxy, on peut en avoir plusieurs, notamment pour des subtilités de configuration. Mais en grosso modo, on va euh, définir un couple ou plusieurs couples d'IP. Et de port, on va choisir aussi si on fait un front-end HTTP ou un front-end TCP. Ça conditionne différentes choses selon ce qu'on peut faire derrière. HTTP, c'est plus riche, mais aussi on peut faire de la proxification TCP. Et ensuite, on a un grand nombre de traitements qui sont possibles sur la requête. Voilà. Dans ce front-end, on peut euh, donc faire du, euh, du TCP sur la couche 4. Donc là, HAProxy verra moins de choses, il ne va pas aller détailler si on lui envoie du mail, du MySQL, du Redis ou autre. Il va faire passer le trafic TCP. On peut aussi faire, lui faire comprendre qu'on est sur de l'HTTP. Donc là, on va être sur la couche applicative, layer 7. Et là, il va être capable d'analyser beaucoup plus finement ce qui se passe dans la requête et d'aller éventuellement la manipuler. Donc voilà, TCP ou HTTP, pardon, je n'avais pas avancé. Et euh, on peut choisir si on veut faire, euh, si on veut manipuler, en tout cas, on est compatible avec du HTTP 1, 2, 3 avec Quick, etc. Il euh, y a aussi tout, tout un tas de logique d'escalade de, de privilèges, pardon, d'escalade de protocoles, euh, les WebSockets, etc. Tout ça peut passer. C'est aussi là un, un des intérêts de définir différents front-end. On peut le faire parce qu'il va y en avoir un qui va écouter en TCP, on va dire, et l'autre en HTTP et puis au sein en HTTP on peut avoir euh, l'un en SSL, l'autre pas et puis euh, un concept qui va se rapprocher du des virtual host dans Apache pour en fait euh, avoir capté différents types de, de trafic. Oui et par exemple si vous avez des, des API qui vont servir à des applications mobiles et à côté de ça vous avez des sites web plus classiques, peut-être que les limites en nombre de connexions ou euh, certaines manipulations vont être différentes entre ces deux points d'entrée. Donc ça peut être une raison d'avoir des front séparés. Là, je vous montre quelques exemples de choses qu'on peut faire. Alors je vais me tourner un peu pour voir bien avec vous, mais euh, on a un front-end qu'on a appelé external. Donc là, on est dans la configuration de, 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 de fichier de configuration d'achat proxy. Exactement. Et euh, on voit par exemple que qu'on peut euh, indiquer qu'on veut... Avoir les, les, les headers ex-forwarded for, ex-forwarded proto, etc. qui facilitent le chaînage euh, des proxys. Euh, on va voir qu'on va rajouter un identifiant unique à la requête au moment où elle rentre dans le système. On va voir qu'on va faire éventuellement, si la connexion n'était pas chiffrée, on va faire une redirection vers du HTTPS. On peut aussi faire des redirections d'un domaine vers un autre, notamment si un site a migré ou si on doit faire converger du trafic de différents domaines. On va aussi voir qu'on peut provoquer euh, de l'authentification, en tout cas une demande d'authentification transmise au navigateur, et, et proxy va tout à fait pouvoir regarder si ça correspond à une liste d'utilisateurs. Ça ne rentrait pas dans l'écran, donc on n'a pas mis tout ça, mais il y a un très très grand nombre de choses que l'on peut faire directement à ce niveau-là dans HAProxy. Et l'exemple concret, c'est par exemple cette règle-là, redirect ou https. Si vous mettez un HAProxy en amont. Euh, vous allez avoir votre serveur final avec peut-être un Apache avec du, du, du PHP et vous allez des fois mettre la redirection au niveau d'Apache. Bah là si on la met au niveau d'achat proxy, bah finalement la requête euh, Apache la verra même pas. Elle n'arrivera même pas à votre serveur final, c'est lui qui répondra directement au client et ça on, on peut minimiser, on va le voir après avec d'autres façons, mais comme ça on aura moins de requêtes vers le serveur final. Exactement. On peut aussi gérer, euh, par exemple, des erreurs personnalisées. Alors des erreurs, là c'est même un cas un peu plus vaste que les erreurs. On peut implémenter un, un mode maintenance dans notre proxy. On va définir que notre trafic, selon certaines conditions, va aller sur un backend end particulier, un backend qu'on va appeler maintenance. Et ce back on ne va pas lui désigner de serveur finaux. Donc il ne pourra jamais aller à un serveur final. Donc ça provoquera systématiquement une erreur 503. Et si on dit dans ce contexte-là à chaque proxy d'utiliser... De rendre, de servir directement une réponse HTML et même carrément une réponse HTTP complète, ça va répondre extrêmement vite. Et donc le trafic qui arrivera sera bloqué au niveau du proxy avec une réponse propre au client. Et on pourra travailler sur le back-end, sur, le, sur les serveurs finaux, soit parce qu'on est dans le cas d'un incident, soit parce qu'on a préparé une maintenance. Et pendant le temps de cette maintenance, on veut pas avoir une page dégueulasse, on veut avoir quelque chose de, de correct et qui va dire aux internautes on peut revenir. C'est ce qu'il peut y avoir quand vous commandez sur un, sur un site, enfin vous naviguez sur un site, il va y avoir euh, Oups, par exemple, avec une page particulière pour être à la mode et euh, sur Twitter, peut-être que quand on reverra la, la, la baleine la baleine euh, lors des erreurs, on va dire que c'est quelque chose de ce type-là qui, qui est en place. Voilà, et... Euh, et notamment, on peut aussi dire à HAProxy, euh, regarde l'adresse IP de la personne qui se présente. Si elle est dans une liste, dans une whitelist particulière, ben, en fait, tu les enverras pas vers le back-end de maintenance, tu les enverras quand même vers le serveur final. Et ça, ça peut être pratique quand on a une équipe de dev qui prépare un déploiement, qui veut s'assurer que le déploiement est correct avant d'envoyer, ou si c'est un incident, est-ce qu'on a correctement corrigé, est-ce que ça tient à la charge, etc. Donc, on va pouvoir vérifier, et après, on ouvre tout. C'est une sorte de coupe-circuit. Voilà. C'est une illustration de choses qu'on peut faire dans, dans HAProxy. Et on peut faire, on le disait tout à l'heure aussi, de l'aiguillage, qu'on ait un seul ou plusieurs front-end. Là, par exemple, on a défini des ACL. Une ACL, c'est une sorte de variable boolean qui va regarder certaines choses, notamment dans la requête HTTP, qui va stocker un true-false, un vrai-faux. Et en fonction de la valeur de ces ACL, on fera des choix plus tard. Donc là, par exemple, si on est sur, le, sur un certain domaine, on va mettre une ACL spécifique pour ce domaine à true. Et plus tard, on dira qu'on va faire use back-end du backend qui est associé à ce domaine-là et comme ça potentiellement chacun des sites différents qui est géré par achat proxy pourra cibler des serveurs ou des groupes de serveurs différents. C'est notre cas. Nous, on met souvent du, des, des proxys comme ça de manière mutualisée. Par contre, c'est vers le serveur de chacun de nos clients que ça va derrière, le ou les serveurs. Et donc, on peut faire de l'aiguillage comme ça. Et on peut aller dans aussi dans des fonctionnalités beaucoup plus poussées en termes d'aiguillage. Mais là, ça, c'est un exemple avec des use back et pourquoi pas un default backend. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, je ne l'ai pas mis dans l'exemple, mais. Voilà, donc là on a parlé de front-end et je, je, on a vu aussi la notion de back-end. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Le back-end, c'est ce qui nous amène vers l'arrière-boutique, l'arrière-boutique étant le ou les serveurs finaux qui sont dans l'infra-web. Et c'est grâce à ces back-ends que l'on va définir notre stratégie de tolérance de panne ou de, euh, de répartition de charge. Et là, on a quelques exemples qui sont un petit peu stéréotypés. Et il y a évidemment une infinité de variations. Mais on peut voir le premier exemple. Il est le plus simple du monde. Il y a un seul serveur dans le back-end. On est là dans une situation de passe-plat où on a juste créé une façade devant ce serveur. Ça peut être pour des questions de sécurité, des questions de protection, des questions simplement parce que le serveur final il est dans une version bizarre et on ne veut pas le montrer. On veut voilà, faire une façade. Le deuxième exemple, déjà, il va commencer à montrer de la répartition de charges. On a un algorithme, bon là je l'ai explicité, mais c'est par défaut normalement, balance, round robin. L'idée c'est que chaque requête va aller sur un serveur, la suivante sur un autre, et ça tourne. Vous me direz si vous avez l'œil et que vous connaissez un peu, oui, mais tu as mis un poids différent pour chacun des deux serveurs. Ça c'est aussi une manière d'influencer éventuellement euh, la fréquence d'apparition d'un des serveurs dans cette boucle qui va tourner. On peut l'influencer comme ça. Et puis, il oui, ouais. y a aussi, là, on le balance round robin, bah, finalement, ça va choisir assez simplement un serveur puis l'autre avec le poids associé. Mais il y a aussi, on peut mettre le balance sticky, qui est le, le fameux mode sticky où on veut, euh, en fonction souvent d'une adresse IP, mais ça peut être aussi d'un cookie ou d'autres critères, renvoyer toujours vers le même serveur. Et ça, il peut y avoir des cas. Euh, assez classique comme par exemple euh, des sessions non centralisées. Si on a plusieurs serveurs, on va vouloir que, euh, par exemple, un client aille toujours sur le même serveur. Il suffira de mettre balance sticky à la place de balance round robin et ce sera automatique. Oui, il faudra faire un petit peu de configuration pour déterminer selon quel algorithme on fait le hachage, etc. Mais c'est effectivement le principe et c'est très utile. Et on voit aussi dans cet exemple là le HTTP check qui nous permet de, de pas simplement de regarder si le serveur n'a pas répondu au moment où on lui a envoyé une requête, mais en permanence d'aller l'interroger sur un, sur un point d'entrée particulier pour savoir s'il est en bonne santé, si on peut continuer à l'utiliser. Donc là, avec add ping, en fait, il fera en permanence par défaut, c'est toutes les 10 secondes ou toutes les secondes Oui, mais ça se configure et souvent on le fait toutes les secondes ou les deux secondes pour avoir une bonne réactivité. Indépendamment de la fréquence des requêtes réelles, on va faire une requête de type HTTP check. Voilà. Donc toutes les secondes, il ira faire un add ping sur les deux serveurs. Et si euh, jamais il y avait une réponse qui était euh, autre chose que du euh, 200 OK, il désactiverait le serveur, ce qui est du coup euh, notamment le fonctionnement principal de la tolérance de panne. Oui, et dans le jargon d'achat proxy, on va dire qu'il va le marquer down, par opposition à un serveur qui est up, euh, s'il est en, en bonne santé et actif. Et le troisième exemple. Il est un peu complexe, exprès, pour montrer qu'on peut faire vraiment des choses qui vont plus loin. C'est un exemple en TCP. On a du Redis derrière, donc on n'est vraiment plus dans de l'HTTP, on a de la base de données. On sait, pas par cette configuration-là, mais que là, on aura mis un, un, un maître et un réplica. Donc il faut que les requêtes n'arrivent toujours que sur le maître. Et là, on va utiliser un agent de check qui va interroger un port particulier. Et sur chacun des serveurs Redis, sur ce port-là, il y a un petit programme qui répond et qui va dire je suis up ou je suis down ou d'autres subtilités. Et HAProxy va en tenir compte. Il va toujours envoyer les requêtes sur le premier qui est disponible, au cas où les deux le soient. Il ne faudrait surtout pas qu'on envoie les requêtes de manière balancée. Ça, c'est le balance first. Voilà le balance first et euh, bon après il y a des petites subtilités rigolotes aussi mais euh, si un serveur s'il y a une bascule entre le réplica et le master on coupe les sessions pour éviter qu'il continue à y avoir du trafic puisque c'est des sessions à des bases de données c'est des sessions relativement longues voilà et on a dit qu'on était dans le, du contexte web donc là entre guillemets c'est pas purement du trafic HTTP ou HTTPS mais ça c'est bien pratique parce qu'il y a quand même dans une infra souvent une base de données et euh, le serveur final par exemple on peut Mettre en place un HAProxy, non pas sur le, un reverse proxy euh, directement, mais sur le serveur final, et pour que lui, il prenne la décision d'aller interroger euh, un serveur Redis qui est euh, distant. On fait, ça, on fait ça dans notre on armes, fait ça très dans nos, souvent, dans nos, ouais. dans nos armes, on fait ça souvent. Et, et euh, HAProxy étant ultra light, euh, ça coûte quasiment rien d'aller rajouter ça aussi sur les, sur les serveurs applicatifs. Il y a quelques autres concepts qu'on va trouver dans HAProxy, mais que je ne vais pas détailler. On y serait pour l'après-midi, euh, voire plus. Euh, on peut utiliser des mécaniques de, de résolution DNS particulières, soit en utilisant le système, soit d'autres. Mais notamment, on peut dire à HAProxy, euh, là où vous avez vu avant dans la config qu'on utilisait des IP, on pourrait lui donner des noms. Et euh, la stratégie de résolution de ces noms peut aider à automatiquement provisionner un certain nombre, et pas juste deux ou trois, ou en tout cas un nombre fixe, de serveurs. C'est par exemple très pratique quand on fait de la WS et où les machines n'ont pas toujours des IP qui sont permanentes. On, peut, euh, on a aussi une interface de stats et un début d'interface d'admin dans Achat Proxy qui est très pratique. Ça se configure aussi, ça s'utilise et notamment ça permet d'avoir une sorte de tableau de bord de, de, de la santé. J'aurais dû vous faire un, un, une capture parce que c'est assez, euh, assez visuel avec des couleurs, etc. On a aussi... Euh, le Data Plane API c'est un, un programme à part d'achat proxy qui est relativement récent en termes de version mais qui permet de faire tout ce qu'on sait faire quasiment dans la configuration texte mais de manière euh, avec, une, avec une API REST donc on peut exposer évidemment il faut la protéger etc etc mais on peut comme ça avoir du dynamisme dans la configuration qui est pour autant persistante mais très pratique. On a aussi des extensions avec le langage de Script Lua qu'on peut, qu peut intégrer dans HAProxy pour faire des, des petits modules additionnels, ou carrément des programmes tiers à qui on peut demander à HAProxy de déléguer l'analyse de la requête et de répondre si oui ou non on doit la faire passer ou pas. C'est très utile, par exemple, pour faire du WAF, du Web Application Firewall, pour décider si la requête doit aller plus loin ou pas. C'est des choses qui sont trop complexes pour que ce soit HAProxy lui-même qui le fasse, ce n'est pas son métier ou alors de provoquer des mécanismes d'authentification multifacteur ou autre. Et le WAF, notamment, il peut interagir avec Mode Security pour en fait déléguer le traitement des requêtes à Mode Security pour avoir cette fonctionnalité. Oui, tout à fait. Et aussi, euh, on peut évidemment configurer un milliard d'autres choses, dont la manière dont les choses sont loguées. On peut euh, facilement rajouter plein d'informations dans le log. Par exemple, si vous êtes en transition d'une version TLS à une version... Pour, pour pré préparer l'abandon d'une vieille version TLS, vous pouvez demander pendant un certain temps à ce que HAProxy log la version TLS.1, 1.2 ou autre. Et vous savez si vos clients ont bien migré ou pas et si vous pouvez l'abandonner, etc. Et puis après, plus tard, l'enlever. Et le login, c'est vraiment notamment quelque chose qui est intéressant même dans le mode très simple quand tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il soit là en intermédiaire. Il a un login qui est qu'on peut vraiment enrichir, notamment au niveau HTTP, et qui est très utile, qui donne des détails, notamment sur le temps de réponse entre le client et le serveur, et on peut vraiment faire du debug grâce à ce login qui est plus riche qu'un simple access log, par exemple. Voilà. Je vous remets le schéma tout à l'heure pour qu'on revoie. Encore une fois, c'est très, très simplifié. On a nos clients qui se connectent sur des front-end, front-end qui décident s'ils laissent passer la requête ou pas, qui passent à des back-end plus ou moins dédiés au serveur. Et on va retrouver nos trois stratégies à droite. Le, le back-end 1 n'envoie toujours qu'au serveur 1. Le back-end 2 enverra prioritairement au serveur 2, mais si jamais il est en panne, il basculera sur le, sur le 3. Et le back-end 3, lui, il va faire un load balancing classique, il va faire du round-robin ou autre. Donc voilà, là, c'est typiquement un load balanceur euh, ça marche comme ça. Voilà. Donc là, on a vu un reverse proxy très simple et puissant, mais on ne vous a pas parlé encore de cache HTTP. Donc le cache HTTP, on va faire une petite introduction sur euh, revenir euh, comment ça fonctionne. Donc c'est un standard qui est intégré au protocole HTTP. Dans le la RFC qui décrit le HTTP, il y, avait une, il, y a, il y avait une section qui décrit comment fonctionne le cache HTTP et qui a été, euh, on va dire, enrichi dans une, une RFC après dédiée euh, au cache HTTP. La compréhension de, du cache HTTP fait partie, en, on va dire, des euh, prérequis pour un, un sysadmin senior, comme on dit. Et c'est également très utile pour les développeurs web qui vont avoir à gérer cette partie-là, notamment pour le cache HTTP. On a, là, on vous parle dans le contexte d'un reverse proxy, mais en fait, du cache HTTP, votre navigateur, lui, fait du cache HTTP. Donc, euh, en fait, c'est un concept que si on est développeur web, il faut euh, connaître euh, un minimum. Et on va parler un petit peu de, un petit peu de ça. Donc, le cas le plus simple avec un navigateur, c'est euh, on a une connexion directe et en fait, euh, votre client, euh, Firefox euh, ou autre, fait, euh, du, fait du cache HTTP. On va revenir un petit peu euh, en détail. Le cas du proxy local dans une entreprise ou dans une université, les connexions vont passer par lui et en fait, il va faire du cache HTTP, c'est-à-dire que... Par exemple, quand vous allez sur un, votre moteur de recherche préféré, le favicone, euh, bah, il va le stocker, il ne change pas très souvent. Et au lieu de redemander au serveur euh, sur Internet le favicone, il va stocker la petite image et puis il va la renvoyer. Ça va être euh, plus rapide et il y aura moins de requêtes au serveur final. Souvent, c'est Squid, si vous le connaissez, ou vous l'avez peut-être vu, qui, fait, qui joue ce rôle-là. Et le cas qui nous intéresse c'est le cas d'un reverse proxy, dont on a parlé un peu avant, et qui va être dans la capacité aussi de faire du cache, c'est-à-dire de stocker un certain nombre d'éléments pour éviter de faire trop de requêtes, on peut dire, vers le serveur final. et les exemples pour faire ça, acha proxy a des capacités de faire du cache http, mais qui sont assez limitées. Euh, nous et on va en parler juste après, on utilise Varnish qui est un serveur pour faire un service pour faire du cache HTTP. Et historiquement, on utilisait euh, Squid qui sert sur cette euh, on peut, dont on peut servir en proxy local, on va dire, euh, et qui a été remplacé un petit peu en règle générale dans les infra par Varnish qui est plus puissant et qui est plus configurable pour, euh, pour faire ça. Donc là, on va regarder un petit peu le fonctionnement du, 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 du cache HTTP. Donc en, en bleu, on a un ordinateur situé un peu n'importe où sur Internet qui va faire une requête vers le reverse proxy cache. Donc il va faire en bleu une requête GET. Le proxy cache, lui, va faire la requête au serveur final, obtenir l'information euh, et la renvoyer au client 1. Alors, une astuce pour savoir qu'il y a du cache HTTP qui est valable dans 99% du temps, on peut quand même la cacher, mais en règle générale, enfin, la cacher, là, la masquer, la là, hidden, là, voilà. Euh, c'est, il y a l'entête HTTP age. Si on a age égal, bon, là, dans ce cas-là, 0, ça veut dire que c'est en seconde, donc ça veut dire que c'est du contenu qui date de moins d'une seconde. Et euh, ça, c'est la preuve, d'une certaine façon, qu'il y a un proxy cache entre les deux. Souvent, on aura aussi dans, dans l'entête HTTP une notion de miss, là, qui nous dira que, en fait, le contenu, euh, bah, il n'était pas stocké dans le cache au niveau du proxy cache, mais il est allé le chercher sur le serveur final. Donc voilà ce que, on va dire euh, quand on démarre un proxy cache, et puis il y a un premier client qui arrive, on aura ce, ce type ouais, de... c'est la première requête pour une ressource donnée, elle, ça fonctionne comme ça. Là, on a un deuxième euh, ordinateur euh, ailleurs sur Internet et qui va interroger la même ressource dans notre exemple. Donc là, bah, il va faire la même chose. Il va demander au reverse proxy cache euh, get euh, slash index.html ou favicon.ico ou ce qu'on veut. Et là, euh, bah, le proxy cache va dire bah, Moi, j'ai déjà la ressource. Je l'ai stockée dans ma petite base de données. Je n'ai pas besoin du tout de solliciter le serveur final qui, lui, verra pas du tout passer la requête. Et je vais renvoyer le contenu, donc il va pareil, 200 OK. Là, il va donner euh, l'âge de la du capitaine, non l'âge de la ressource. Par exemple, là, ça fait 42 secondes que la ressource est stockée. Et puis, il va faire quelque chose comme it. Souvent, on va le retrouver, on va en parler un petit peu après, pour signifier. C'est pas obligatoire, mais pour signifier que euh, bah, il a. Il avait déjà ce contenu dans, son, dans sa base de données. Oui, typiquement, il met ça dans un Xvarnish. It ou Xvarnish. Miss pour la, la première. Donc, comment ça fonctionne pour qu'on ait ces mécanismes bon, On va essayer de, de, de résumer. Souvent, en fait, c'est quelque chose qui peut apparaître comme étant assez compliqué, mais euh, c'est parce que historiquement, il y a eu pas mal d'évolutions, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, en tout cas en en théorie, assez simple et en pratique, maintenant les implémentations sont assez euh, correctes et donc c'est finalement pas si, pas si compliqué que ça à comprendre. Donc, on a parlé des entêtes euh, tout à l'heure. Là, on va avoir un entête qui s'appelle euh, le cache control. Le client HTTP, lui, peut envoyer un cache control. Notamment, il peut dire euh, cache control, no cache c'est-à-dire je ne veux pas que tu serves du cache. Après, le serveur peut respecter ça ou pas. Mais euh, c'est le cas, par exemple, dans Firefox, quand vous êtes en mode debug et vous avez une option je ne veux pas de cache. Oui, avec les développeurs tools, on peut désactiver le cache. Ouais, ouais. Alors, désactiver le cache, ouais. c'est notamment, on va désactiver le cache local. Mais ça envoie et aussi. Et ça va envoyer et en, du coup, on va essayer de désactiver les caches intermédiaires. Et je dis bien essayer parce que ça devrait être respecté, mais rien ne. On peut voir, par exemple, qu'on peut aussi ne pas respecter cette en-tête. n'est pas bien, mais euh, voilà. Un serveur HTTP, lui, dans sa réponse, peut aussi envoyer. Alors là, c'est le même, le même nom d'entête, Cache-Control, et puis il peut envoyer aussi un euh, expire pour dire, en fait, dans combien de temps, principalement, la donnée qui va renvoyer va expirer. Donc, on peut imaginer que, par exemple, un favicon. Si vous êtes sûr que vous n'allez pas changer votre favicon pendant euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours, on peut imaginer qu'on dit un expire à dans trois jours. voilà, Ou plus, hein. il y en a qui ne changent pas souvent de favicon. Bon, Et euh, dans les entêtes, ce qu'on a vu, ça c'est un proxy cache HTTP doit envoyer l'entête âge. Voilà pour signifier le nombre de secondes euh, si, dans lequel euh, date le, 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 la ressource qu'il a servi. En pratique, ce qu'on a, bon alors là c'est un exemple assez, assez théorique, mais donc dans les, on a des entêtes dans les requêtes et dans les réponses. Euh, et donc là le client HTTP, alors un entête qui peut envoyer, on n'en a pas parlé, mais par exemple, quand on parle de, de cookies, euh, bah finalement, c'est le serveur qui a euh, envoyé un set cookie, et le client, quand il va s'adresser au même serveur, du coup, il va envoyer l'en-tête euh, cookie pour dire en fait euh, quels sont les cookies qu'il a en local. C'est notamment comme ça que euh, un site sait qu'on s'est déjà identifié et qu'on n'a pas besoin de se réidentifier. C'est grâce à ce genre de choses. Sur le site du Capitole du Libre, dans le programme que vous avez sûrement consulté. On peut mettre des petites étoiles pour dire ses conférences favoris. Je n'ai pas vérifié, mais je me dis que ça doit utiliser ce, ce concept-là. Je n'ai pas vérifié non plus. Donc, les entêtes intéressantes. Donc, on a vu le cache control, nos caches que peut envoyer le client. Euh, le cookie, on en reparlera parce que dans les notions de cache, bah, évidemment, si souvent on envoie des cookies pour avoir du contenu dynamique, et dans ce cas-là, euh, ben, on ne va pas forcément renvoyer une version en cache, donc c'est quand même intéressant. Et là, par exemple, on voit que le serveur euh, HTTP, il peut renvoyer le cache control, et là, il peut dire max-age 51, c'est-à-dire pendant 51 il autorise pendant 51 secondes. Le client a gardé cette, euh, ce contenu-là et ne pas faire de nouvelles requêtes. Sachant que le client final, enfin, euh, le client peut être le client final qui est votre navigateur, mais ça peut être un autre proxy dont il n'a pas connaissance. Hein. C'est pour informer dans le, le, euh, en aval qu'on ne peut pas garder ça plus de 51 secondes. On retrouve le euh, âge 42, on voit le set cookie, on a le expire 2038. Donc bon là en fait c'est pas ce format là euh, exactement mais il donne une date on va dire dans le dans le futur. Euh, c'est un petit peu redondant avec le max age, mais là l'idée était de donner un exemple pour voir les différents types d'entêtes possibles. Il donne aussi deux entêtes, il peut donner deux entêtes qui sont intéressants, notamment l'itag e et le last euh, modify, dont euh, on va voir juste après que ça peut être utile pour, euh, pour gérer du cache. notamment le, la fameuse réponse euh, not modify euh, le code de, de retour http 304. alors c'est quelque chose d'assez spécifique dans le, la gestion du cache http. donc on va évacuer on va dire ce sujet en parlant un petit peu euh, comment est-ce est que ça fonctionne? le serveur peut renvoyer un entête e et ou euh, last modify. le client qui peut être un proxy, mais euh, le client, notamment le navigateur, euh, il peut, une fois qu'il a reçu le contenu, ressolliciter re euh, la ressource. Et lui, il va mettre en tête if non match, quand c'est un e -tag. Et un e -tag, on a vu un petit peu, c'est en gros une sorte d'empreinte, de un, un hash de, de la ressource, qui est du coup unique. Ou un if modify sense, du coup, la ça va être pour évaluer la fraîcheur du cache. Si le contenu n'a pas changé, donc il va y avoir dans ce cas-là quand même un échange client serveur On a vu tout à l'heure dans le cache, s'il dit garde-le pendant 51 secondes, ben là il y aura carrément pas de requête. Mais au-delà de ce temps-là, ce que le navigateur peut faire, c'est il resollicite la demande et en fait, si le contenu n'a pas changé, le serveur va lui répondre 304 notre modify. Et l'intérêt de ça, c'est que ça va être hyper léger. Si c'est une image, euh, L'image qu'on a vue juste avant, par exemple, bah, elle fait plusieurs euh, kilooctets. En fait, là, ça va faire à peine quelques octets. Il va dire, bah, en fait, ça n'a pas changé. Ce que tu as gardé, tu peux l'utiliser. Donc, ça va être, en termes de bande passante, etc., très, très intéressant. Et ce mécanisme-là, donc, il marche avec les navigateurs et il marche aussi avec les euh, reverse proxy cache qui peuvent moins solliciter euh, un serveur Grâce à ce, à ce fonctionnement-là. Parce que le proxy cache va se comporter comme un client à ce moment-là. L'intérêt du reverse proxy, c'est qu'il va mutualiser, euh, il va en, en étant de façon centralisée, s'il y a des clients qui vont être complètement différents. Avec du cache HTTP, ça va être un client, un navigateur qui, lui, va économiser des requêtes, mais pour lui-même. Mais le reverse proxy cache, bah, s'il y a un premier client qui a fait une demande euh, pour une certaine ressource, eh ben, il va pouvoir euh, enfin, multiplier un petit peu ce, ce, ce mécanisme pour euh, plein, plein de clients. Donc on peut drastiquement diminuer le nombre de demandes à un serveur final en utilisant euh, ces, ce, ces mécanismes. Là c'est l'exemple, euh, si on revient un petit peu comme, euh, comme tout à l'heure, euh, on avait vu qu'il y avait un premier client qui avait sollicité une ressource, un deuxième client qui avait sollicité la même ressource au bout de 42 secondes. Bah là, imaginons qu'il sollicite au bout de 1337 secondes. Euh, bah dans ce cas-là, euh, peut-être, le, le proxy cache, lui, il va aller redemander au serveur euh, le, le contenu, parce qu'il n'est pas sûr de la fraîcheur de son cache. Le serveur va lui dire not modify, et dans ce cas-là, il va servir l'image qu'il avait stockée euh, à ce niveau-là. Et ce sera transparent pour, euh, pour le client 3. Donc voilà les principes assez simples de, du, du, du cache HTTP. On, je liste, euh, on va lister un peu rapidement les autres entêtes qui peuvent être utiles pour le, pour le, le cache HTTP, juste pour les, les mentionner assez, assez rapidement. Donc on a vu le expire, mais il peut y avoir aussi le max-age qui permet dans l'entête cache contrôle de préciser le temps auquel on peut le conserver. Le les cookies, cette cookies qui sont importants parce que généralement, c'est des cas où on veut justement qu'il n'y ait pas de cache. Donc, souvent, on configure les euh, reverse proxy cache pour dès qu'on voit ces entêtes-là, bah on va ne pas utiliser le, le cache HTTP. Autorisation, bah ça c'est quand on fait de l'authentification HTTP, évidemment, on transmet un login de mot de passe à chaque requête. Donc, c'est un cas où on ne veut pas utiliser le cache, on veut aller jusqu'au serveur final pour qu'il vérifie que l'authentification est correcte. Euh, Varie. je passe rapidement, c'est le fait de pouvoir donner du contenu variable, par exemple, de cacher en fonction de la langue qui est envoyée par le, le, le client, d'avoir plusieurs versions de cache. Et Pragma, c'est l'ancêtre, on va dire, dans le HTTP 1.0 de l'entête cache control qui permettait de faire quelque chose d'assez basique que vous pouvez voir encore par souci de compatibilité, mais en fait qui est plus, plus tellement utile. Pour faire un petit récapitulatif du cache HTTP, euh, on va se poser trois questions, euh, trois questions fréquentes. Euh, quelle entête HTTP on doit renvoyer si on veut permettre explicitement la mise en cache Donc ce, qu ce que nous on va conseiller c'est d'utiliser l'entête cache control avec le, le temps qu'on veut autoriser la mise en cache de mettre l'entête expire, l'As modify, on peut mettre les deux, et si possible, de mettre un e tag, notamment d'ailleurs, euh, par exemple Apache ou Nginx pour les contenus statiques, peut faire ça plus ou moins automatiquement avec euh, assez peu de configuration. Une autre question fréquente qu'on que que nous pose, c'est quelle entête HTTP je, veux, euh, je dois renvoyer si je veux explicitement empêcher la mise en cache sur, sur mon serveur? Alors là, voilà, c'est un exemple que, de ce que nous, on conseille. On lui dit cache contrôle, en gros, no cache. Par compatibilité, on met aussi pragma. Et puis, on lui dit, ça expire dans le futur, euh, en, le 1er janvier 70. Donc, en gros, on met un peu ceinture, bretelle, etc. C'est dans, euh, dans le passé, 1er janvier 70. Euh, oui. Mais ex expire, le but est de le mettre dans le futur. Donc, même, euh, imaginons qu'il y a un ordinateur qui a la pile CMOS qui a été. Euh, euh, remise à zéro, on peut imaginer qu'il va partir en 97. Bon, bah, même dans ce cas-là, euh, il, il redemandera du contenu. Et troisième question qu'on nous pose assez fréquemment est-ce que je dois toujours envoyer un en HTTP Cache-Control ben La réponse c'est que c'est vraiment préférable de toujours le renvoyer. On peut dire que c'est obligatoire pour du contenu dynamique, parce que si on le met pas, il euh, bah, y a soit le navigateur, soit un proxy intermédiaire qui lui va dire bah, En fait, j'ai le droit de le mettre en cache. Et vous allez vous retrouver, à, si votre contenu est dynamique, bah, en fait, le navigateur ne va, va pas recharger votre page, ne va pas recharger votre contenu. Et du coup, c'est très embêtant. Il faut préciser la date d'expiration si, euh, si le cache est possible. Et. Notamment, il faut préciser la date d'expiration parce que des, si on ne précise pas la date, finalement, euh, des navigateurs, mais notamment des proxys euh, locaux, pourraient garder en cache très longtemps, voire à vie. Et donc, euh, si on fait une erreur et qu'on ne lui précise pas la date d'expiration, bah, on pourrait imaginer que ça, voilà, ça engendre des problèmes qu'on aurait du mal à corriger. On serait même incapable de les corriger. Donc, voilà, sur la partie cache HTTP, c'est vraiment euh, de préciser comment ça fonctionne, qui, ce qui est important. Et nous, pour faire un petit peu utiliser ces mécanismes dans le cas d'un reverse proxy cache HTTP, on utilise le logiciel Varnish. Alors, vous avez peut-être peut déjà vu euh, cette page-là dans des avions, sur des bornes ou sur des Freebox ou des trucs comme ça. Euh, en gros, ça c'est la page euh, d'erreur de, de Varnish quand il n'a pas réussi à traiter la demande. Donc on voit notamment l'erreur le, gourou méditation. Et ça pour l'historique, c'est une blague qu'ils euh, qu faisait chez Amiga ou ceux qui développaient sur Amiga OS, comme ça plantait souvent. En fait, pour aller se détendre, ils, allaient, ils avaient un jeu où ils devaient tenir une sorte de position de gourou. Donc ils en, ont, ils en ont fait une blague, en gros, quand ça plante, on, on, on met le mot-clé gourou-méditation, avec un ID qui permet notamment de retrouver l'erreur dans les logs, par exemple. Donc, Varnish, bon, c'est un logiciel libre, évidemment, euh, créé en 2010, 2006, euh, fortement optimisé, léger en tout cas relativement léger par rapport aux autres logiciels qui, qui gèrent du cache, moins léger H -H proxy par exemple, euh, qui a une configuration qui est basée sur des fonctions compilées au démarrage. On verra un petit exemple, mais euh, voilà, Donc, qui est vraiment notamment très très con configurable, qui a des conventions de base pour respecter les RFC sur le cache HTTP. Mais qui est euh, très facile à surcharger, ou en tout cas qui permet vraiment de, de faire ce qu'on qu veut avec, notamment Squid, qu qui, était, euh, qui est donc plus ancien pour gérer ça. Grosso modo, Squid, on le démarrait, il, a, il respectait les conventions de base, et en gros, on ne pouvait pas trop surcharger la config, faire des exceptions. Un petit schéma du fonctionnement de, euh, interne de Varnish. Euh, bah, on retrouve notre client, bon là qui est tout en haut, et en fait on a des fonctions à l'intérieur de, 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 de Varnish. Donc il va d'abord euh, traiter, euh, traiter la, la requête avec une fonction VCL receive. Euh, il va ensuite comparer avec sa base de données de cache pour voir si la ressource demandée est dans son cache ou pas. Si elle n'est pas dans son cache, il va euh, bah, faire la requête au serveur final HTTP. Et si jamais elle l'est, bah, du coup il va servir directement la demande et passer directement à la fonction VCL Deliver. Et si ce n'est pas le cas, il va faire la requête, il va se demander si c'est cachable ou pas et puis le stocker dans sa base de données de cache pour, pour la fois d'après. Donc on ne va pas rentrer dans le détail des VCL parce que c'est une syntaxe un petit peu euh, voilà, qui, est, qui est un peu moins sympa à montrer que... Que, par exemple la conf d'achat proxy, mais c'est notamment un certain nombre de, de conditions et c'est basé sur des returns, sur le, sur le fait qu'on veut sortir ou pas de, de chaque fonction qu'on a vue juste avant. Pour le TTL, c'est la notion importante parce que dans sa base de données, on veut dire combien de temps est-ce qu'il va stocker finalement les, les objets qui, qui, sont mis, qui sont mis en cache. Donc on peut préciser bah, le, un max-age, bon ça c'est le serveur final qui peut imposer, et du coup Varnish va respecter ce max-age, mais on peut aussi forcer le, 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 TTL, le TTL final, et on va pouvoir faire des manipulations des, bah, des requêtes, par exemple là, on peut lui dire de retirer de la requête l'en-tête le, cookie, donc le serveur final va croire qui voit une requête et il ne va pas voir du coup si le client renvoie des, des cookies. De la même façon pour le serveur, du coup, en, en entrée ou en sortie. On a, on a la notion aussi de purger du cache. Bah, effectivement, on stocke en cache en cas d'erreur, ou si par exemple on, veut, euh, on met une nouvelle version, on a un certain nombre de cas où on veut pouvoir forcer à vider le cache, soit entièrement, soit juste certaines ressources. Et enfin, on ne va pas détailler, mais on a aussi la notion de faire du cache ESI, ce qui correspond à en fait non pas cacher une page euh, dans son ensemble, mais cacher des morceaux de pages de page HTML. Donc voilà. Pour donner quand même un petit aperçu d une, d une, de la syntaxe VCL, euh, voici la partie qui permet de gérer la purge du cache. Euh, on voit qu'en fonction de certaines adresses IP, euh, on peut autoriser certaines adresses IP à faire une requête sur purge all, underscore purge underscore all, et dans ce cas-là, bah, en fait, il va euh, purger à l'aide de la fonction ban, il va euh, effacer le, cette ressource de son, de son cache. Donc après avoir vu pas mal de, de, de choses, pas mal de détails sur le cache HTTP, mais c'est utile parce que c'est assez complexe et c'est important quand on a de la chaîne, on va voir comment on a combiné de nous HAProxy et Varnish pour faire ce qu'on a appelé Boost, qui est un accélérateur web, on pourrait dire presque un CDN, sauf qu'on n'a pas la dimension géographique qu'on peut avoir avec un Cloudflare ou autre. Là, c'est l'architecture générale de notre, de notre agencement. Tout ça, ça tient sur un seul serveur. On peut évidemment le, le séparer dans des, des, des serveurs différents, mais nous, on l'a mis sur un seul. On a notre serveur proxy, on a notre serveur Varnish, et ça communique en local. Notre client, il va se connecter d'abord sur un premier front-end dans proxy qu'on va appeler external, et c'est celui qui va faire tout le gros du travail. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure de filtrage, de redirection, de terminaison TLS, de tout ça, ça va se passer à ce niveau-là. On va aussi décider si on veut ou pas renvoyer la requête dans Varnish. Il pourrait tout à fait y avoir des sites qui n'ont pas lieu de partir dans Varnish. Et donc on fait cette décision. On passe ensuite à Varnish qui va faire son travail, comme on l'a vu en détail jusque-là. Est-ce qu'on a du cache Si oui, je renvoie direct. Sinon, je remonte vers le serveur final. Et si on doit remonter vers le serveur final, on n'y va pas tout à fait tout de suite. On va repasser dans un proxy dans un autre front-end. Celui-là, il va être beaucoup plus simple parce qu'il n'a quasiment rien à faire. Tout a été fait en amont. Il doit juste décider quel est le back-end qu'on doit utiliser pour aller vers le bon serveur final. Cette logique s'applique, on va sur le serveur final qui nous fait notre, notre traitement de requête, qui produit la réponse, et ça fait le chemin inverse, éventuellement en repassant par le cache pour un stockage, et la, la, requête est répondue, enfin, la réponse est renvoyée au client d'origine. Donc voilà, ça c'est l'architecture générale, ça paraît compliqué, mais en réalité c'est quand même vraiment très très simple. Et là-dedans, on voit notamment qu'on fait communiquer HAProxy et Varnish, puis Varnish avec encore HAProxy, et puis ensuite au serveur final, on a un empilement. Et cet empilement, il va nous poser un problème. Il va nous poser le problème que l'adresse IP du client d'origine, lorsqu'elle arrive dans HAProxy, on la voit bien, c'est la bonne. Mais quand HAProxy parle à Varnish, Varnish pense que c'est 127.0.0.1 qui lui parle. Et de la même manière pour le deuxième, et quand le serveur final voit l'IP, le, la requête arrivée, c'est l'IP de notre serveur Boost, et pas vers le serveur d'origine. Alors il y a une solution qui existe depuis très longtemps au niveau de la couche HTTP, c'est le X-Forwarded For. On va accumuler là-dedans, dans cette entête conventionnelle, les adresses IP. C'est très bien, ça marche, mais euh, des fois on l'utilise mal, on oublie, euh, ça oblige à des manipulations, on n'a pas les, tous les éléments dans les logs, c'est pas cool. Du coup, bah les gens qui ont fait HAProxy, notamment, ils ont proposé quelque chose qu'ils ont appelé le proxy protocol. C'est quelque chose qui va gérer ce problème, cette question-là, sur la couche de transport et plus dans la couche applicative. C'est une petite extension à TCP. Et à partir du moment où les parties prenantes savent le, le prendre en compte, on n'a plus rien à faire au niveau de la couche applicative. On ne voit toujours que la 192.021, qui est celle de notre client d'origine, La fortiori si on parle en proxy-protocole jusqu'au serveur final. Ça peut nécessiter des petits ajustements pour qu'on garde les deux points d'entrée, pour la facilité, mais voilà, ça marche très très bien et c'est très pratique. Donc, notre serveur boost, bah c'est là-dessus qu'on va gérer la, la, la terminaison TLS, SSL. Euh, on a euh, la facilité de fonctionner avec du Let's Encrypt ou euh, des autorités de certification beaucoup plus classiques. On déploie tout ça automatiquement lors des créations, des renouvellements, etc. C'est très facile, euh, même si on a plusieurs, euh, plusieurs serveurs boost. Et puis aussi, on l'a dit, on peut faire du multisite, aucun problème. Euh, on va euh, détecter par des ACL les domaines, hein, on l'a vu tout à l'heure, et on peut tout à fait mutualiser tout ça. On, peut, on va nous euh, automatiser tout ça, toute la configuration avec Ansible pour éviter d'avoir à mettre des bouts de conf dans tous les sens. Avec HAProxy, ça va donner une conf monolithique parce qu'on n'a pas trop le choix, donc on met des blocs avec des commentaires. Pour Varnish, on peut éclater la, la configuration dans différents fichiers, mais ça revient au même. Et si on utilise un outil comme Ansible ou autre, ce n'est pas compliqué de faire, de faire ce déploiement. Alors ensuite, il y a un point hyper important, parce que là, on parle de haut dispo, de, de, de fiabilité, etc. Il ne faudrait pas que notre système il tombe en rade. Donc, euh, la partie applicative, elle va se gérer au niveau des serveurs d'application. Par contre, la partie euh, de, de, de ce, cette combinaison de HAProxy de Varnish, qu'on appelle Boost, il faut bien qu'elle soit hautement disponible elle aussi. Nous, on la, on la gère en ayant plusieurs serveurs, qui sont strictement identiques. Et on fait fonctionner ces serveurs entre eux par un mécanisme de Randrobin DNS. C'est ultra basique, c'est ultra simple, mais ça marche très bien. On met des serveurs dans des data centers différents. C'est des machines virtuelles sur, des, sur du hardware de virtualisation qui est redondant et de haute qualité. Donc, la panne n'arrive quasiment jamais. Et puis, si vraiment on a une panne un jour sur un truc comme ça, bah en fait, on aura des tas d'autres problèmes parce que ça veut dire qu'il y a une grosse partie de l'infra qui est tombée. Donc, euh, voilà. Mais le DNS, ça marche bien. Alors, on voudrait améliorer ça avec l'ENICAS BGP. On ne l'a pas tout à fait mis en place. On peut aussi, si on est dans un réseau homogène, utiliser du VRRP pour faire de la, des sortes de virtual IP qui basculent automatiquement avec du keep alive ou des choses comme ça. Et il y a encore d'autres mécanismes beaucoup plus complexes avec des. Euh, des proxys en, en Layer 4, hein, en TCP pur, en amont de tout ça. Bon, pour de la haute dispo, mais voilà. Il y a des solutions, elles ne sont pas si complexes que ça. Voilà. Donc là, en conclusion, euh, on vous a montré plein de choses. Euh, en réalité, c'est quand même assez simple. C'est des outils qui sont abordables dans leur compréhension. On les aime beaucoup, tous les deux, Proxy et Varnish. Ce sont vraiment la crème de la crème, tous les deux, dans leur catégorie. Surtout, logiciel libre. Et euh, voilà. Donc, on vous conseille vivement de vous y intéresser pour vos architectures et voilà et un, un dernier point qu'on aime bien se poser c'est ce qu'on à proxy varnish et notamment le concept de les utiliser ensemble est-ce que c'est est-ce que c'est écologique alors là j'ai mis un, on a mis un logo de CEF parce qu'il y a trois ans j'avais fait une conf et j'avais posé cette question là et ça peut être intéressant de se poser cette question dans chaque usage donc le, la réponse, bon, la question est toujours difficile à, à chaque fois. On voit quand même que ça permet d'économiser beaucoup de requêtes lourdes, donc des traitements en PHP qui peuvent être faits et qui peuvent être beaucoup moins nombreux. Donc on peut avoir réellement beaucoup moins de serveurs, euh, les serveurs finaux d'une certaine façon, en intégrant du HAProxy et du VARNISH en amont. Après, il y a évidemment toujours le phénomène de l'effet rebond, c'est-à-dire que bon, bah, on se dit euh, c'est bon, on a du cash, euh, on va faire finalement moins, moins d'optimisation. Je m'en fous d'optimiser mon code PHP, j'ai du cash devant, et bon, du coup, ça peut être un petit peu le. C'est la mauvaise réponse à, à, au problème, mais euh, effectivement, il faut en avoir conscience, quoi. Ça peut arriver. Et ce qu'on peut dire aussi globalement, c'est même si c'est pas que sur la partie. Euh, Écologique, mais le fait d'utiliser que des logiciels libres, c'est un fonctionnement quand même qui est sain et qui permet globalement d'aller dans, dans le bon sens. Voilà. Mais la question reste ouverte. Le principe était surtout de poser cette question-là aussi dans des présentations comme ça. Et d'ailleurs, question, il nous reste quelques instants. Je sais pas, 3, 4, 5 minutes peut-être. On va faire circuler le, le micro à chef si vous avez des questions. N'hésitez pas maintenant ou après, comme vous voulez. Ouais, on sera dispo pour euh, s'il y a des questions euh, durant tout le week-end. Au, au, au fond, il y a une question là bas. Merci pour la présentation. Dans votre use case, est ce que vous avez des gros rewrites à faire, par exemple, sur les à proxy pour des par exemple, des CMS ou des sites un peu compliqués ça arrive, oui, et on peut aisément faire ça dans un chat proxy. Il y a beaucoup de fonctionnalités. On a vu des choses de redirection et autres, mais on peut faire de la manipulation de chemin, On peut masquer plein de choses. Euh, oui, oui, on peut décider qu'une pa certaine partie du URL va sur un backend, d'autres sur un autre, etc. Oui, oui, c'est très très riche qu'on peut faire dans un chat proxy là-dessus. Okay. Et, et c'est particulièrement adapté justement quand sur le si c'est un CMS qui n'est est pas, on va dire. Euh, qui est un peu compliqué à gérer, justement, on peut mettre une couche en avant pour euh, faire des manipulations qu'on aurait du mal à faire de façon applicative. Euh, pour le coup, nous, on utilise un peu la même chaîne, mais avec du Nginx devant, parce que justement, les rewrites sont compliqués pour nous à gérer avec HAProxy. D'où ma question. Merci. Euh, une question sur les, les CDN, vous avez cité à la fin. Euh, Est-ce que ça vous arrive d'utiliser des, des CDN dans, dans, dans certains cas où l'aspect géographique est important pour vos clients euh, Si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement euh, parmi les, les acteurs qui existent en termes de CDN euh, sur le marché Est-ce qu'il y en a qui sont plus open source friendly que d'autres, qui se basent sur Varnish, qui permettent de réutiliser les mêmes configs que vous avez, vous, en interne alors, euh, la plupart de nos clients n'ont pas trop la problématique géographique, mais certains oui, notamment. Il y a des CDN qui offrent des fonctionnalités très avancées de WAF ou, ou autres, ou de protection au DDoS, etc. Donc, on a certains de nos clients qui mettent ça en amont de, de, de notre infra. Euh, open Source Friendly, je ne saurais pas trop dire, parce qu'en fait, on parle de l'HTTP, en fait. Donc, que ce soit un logiciel purement propriétaire ou pas, nous, on ne le voit pas. Euh, probablement que beaucoup utilisent Varnish. Dans différentes confs, on arrive à discuter avec des gens qui nous confirment que oui, en interne, ils utilisent HAProxy ou Varnish ou autre. Il ouais, n'y a pas trop de conseils là-dessus. Claude Flair, je crois qu'ils utilisent des, des implémentations qu'ils ont qui, internes. Je crois que OVH euh, utilisait, je crois, Varnish. Mais voilà, je ne sais pas. Il y a peut-être des personnes qui peuvent... Oui, mais je ne sais absolument pas ce qu'ils utilisent. Ils utilisent Varnish aussi Donc je répète, euh, Fastly utiliserait Varnish. Euh, du coup, pour la gestion des certificats, côté HAProxy, vous avez dit que vous utilisez potentiellement Let's Encrypt. Euh, pour les certificats qui sont côté back-end, du coup, c'est une assez privée ou c'est euh, vous générez des certificats Alors c'est très varié là-dessus parce que euh, ça dépend du niveau de d'attente sur, sur le chiffrement. Dans certains cas, même des fois, il n'y en a pas du chiffrement, parce que c'est dans un réseau interne, d'ailleurs à nous, etc. Donc le chiffrement est moins important. Mais disons qu'on chiffre tout. Le plus souvent, on utilise du chiffrement euh, auto-signé, parce que ce qui nous importe, c'est que le trafic soit chiffré, peu importe quelle est l'origine, etc. On arrive à, à contrôler dans un espace maîtrisé. Sinon, effectivement, on peut. Euh, on, alors, on n'utilise pas de CA privé. Non, ça, on ne l'a pas fait. Mais souvent, on va dire que la plupart du temps, c'est un certificat auto-signé, où on trouve le moyen de déployer le certificat qu'on a généré. Aussi sur les serveurs applicatifs. Ça, on fait aussi. Okay. Et du coup, j'en profite. Euh, la dernière question, du coup. Euh, pour la partie achat proxy, vous utilisez la version payante d'achat proxy Principalement, non. Euh, on insiste énormément sur la dimension logiciel libre. On ne le fait que lorsque c'est une demande explicite de nos clients. On en a certains, un tout petit nombre, qui le font. Euh, ça apporte simplement des fonctionnalités additionnelles sur euh, de la supervision, etc. Mais, et sur la partie WAF et compagnie, mais le, le cœur reste strictement le même. C'est le même code, c'est les mêmes bugs s'il y en a, c'est le même logiciel. Voilà. Okay, merci. Et on, on a peut-être euh, sur 1000 serveurs, on a une, une cent, entre, au moins une centaine d'installations d'achat proxy, notamment parce qu'on les installe aussi sur les serveurs finaux. Et sur cette centaine d'installations, je pense qu'on a une ou deux où on utilise la version entreprise parce qu'on a besoin éventuellement de support, notamment sur cette partie-là, mais sur ce qu'on appelle Boost là, qui fait le CDN like, par exemple, on utilise la version open source qui est parfaite. On, on drop le mic. Allez.